Hey yo tout le monde, c'est Gunshot de la FMS Team. Aujourd'hui je suis de retour pour faire l'épisode 3. APA pour Alligator. Donc voilà. Ça va être j'espère de la tarte. Mais bon, on a ces trois guerrières à chercher et à rater quoi. Donc on va quand même voir la vidéo. Parce que j'ai pas pu la montrer Ah non, c'est lancé clairement la mission, ok d'accord. La police, chaîne logistique du hot shoot. Alors, équipement tactique, qu'est-ce que je peux avoir de bien? Alors, P90, ouais, j'adore cette arme. Pas une arme longue distance, non. Ok, bon, ça sera avec ça. Masque à gaz, ouais. C'est vrai que. Ouais, on va mettre le blindage renforcé. Hein. Après, on va regarder ça alors. Ma truck, ouais, c'est Z. Ouais, on va prendre la boule verte, tiens. C'est parti alors. Précédemment dans Hardline. Voici Léo Ray. Il dit détenir des informations à propos de la guerre, de la drogue qui déchire Miami en ce moment. Tu lui servais tout sur un plateau et t'as tout foutu en l'air. Et t'as tout. Ah ouais, oh ce moment, aïe. Ah voilà, c'est ce moment là. Après, c'est à peu près là. C'est quoi ce bordel? Vous vouliez me voir? Asseyez-vous, Mendes. Attendez qu'on voit une série policière. Changement pour vous deux. T'inquiète, il va pas te coller à la circulation. Non, pas tout de suite. Donc, Léo, notre cher ami, nous a dit ce qu'il savait et il est reparti tranquillement. Il voulait pas de notre protection, alors? Dites à Nick ce que Léo nous a apporté. Des ballots de drogue. Sans déconner. Les avions volent, les drogues tombent, plouf. Chouette de la drogue. Montrez-lui. Une carte de pêche. Qui a monté l'opération? Un connard du nom de Rémi Nels. Il y a encore 2 ans, ce Nels n'était rien d'autre qu'un petit point sur le radar. Aujourd'hui, il dirige toute l'organisation qui a employé Tyson Latchford. Il a l'air d'un mec ambitieux. En effet. Je veux que vous rappliquiez dans ce trou boueux qui nous sert de parc naturel pour découvrir à quel point il l'est. Ok, d'accord. Bon, on va se mouiller le bot. Je comprends pas pourquoi Léo aurait dénoncé son boss avant de repartir tranquillement. Léo a dit qu'il ne se sentait plus vraiment en sécurité avec les flics. Ce sera tout. En fait, Mendoza, je dois vous parler. Oui, chef. D'accord. Votre équipière est une vraie tête brûlée. Elle croit en ce qu'elle fait, chef. Bonne réponse. Assieds-toi, fiston. Ça risque de nous retomber dessus ce qui s'est passé à l'Elmore. Brutalité excessive, etc., etc. Ne t'en fais pas, je m'en charge. On est reconnaissant. Merci, chef. Ça va, ta mère, inspecteur? Ouais. Excusez-moi. Je suis sûr qu'elle a enduré pas mal de choses pour te faire sortir de Cuba. On ne devient pas inspecteur à ton âge sans que ton passé soit examiné à la loupe. Et ton passé est plutôt chargé. Ok, d'accord. Chef, je... Ah, c'est rien. Je sais ce que c'est que d'avoir un connard comme père, moi aussi. Ça m'a pris du temps pour trouver mon chemin. Tu es... sur la bonne voie, fiston. Tu es sur la bonne voie. Alors reste-y. Yes. Waouh! Oh, mamma mia! Ok, d'accord. C'est quoi cette carte pourrie que Léo nous a refourguée? Michel est complètement faussée, mais... c'est censé bon, pas sexy quand même, mais bon. Il est à dos sans se faire prier. Comme ça, gentiment. Oui, ben, gentiment ou pas, elle est merdique, franchement. Il y a un truc que je capte pas. Qu'est-ce qu'il a à y gagner?
Il y a forcément quelqu'un ou quelque c'est chose. C'est quoi ce Rafio? Léo tient à ce qu'on sache que quelqu'un balance cette cam. Histoire qu'on élimine ses concurrents. J'ai raison. Léo sait qu'il est grillé à Miami. Ma main coupée qu'il est en train de monter en ce moment même un labo de stup dans l'Iowa. Au fait, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a pris de lui foutre une raclée pareille? Léo me faisait vraiment chier, je voulais qu'il se calme un peu. Ouais, mais la police des polices aussi aurait pu te faire chier, t'y as pensé à ça? Pas faux. Ah, voilà. Oh, un largage. Rapproche-nous du point de livraison. Ok, bon. Les trafiquants suivent leur paquet par radio. Ce numéro sur la carte de Léo, ça doit être la fréquence. Et regarde un peu ça, on a un signal. Rapproche-moi d'un paquet et je le marquerai avec une fléchette. Va venir récupérer tout ça. À l'époque où les cartels passaient la drogue par Miami, les marais grouillaient de trafiquants. Peut-être que l'histoire se répète. Faut espérer que non. Dans le temps, les cartels profitaient des fêtes d'anniversaire de leur môme pour s'entretenir. Ouais, je me souviens. J'étais tout môme à l'époque, j'ai vu un tas de saloperies. Du sang coagulé sur le trottoir, des pitbulls avec la gorge tailladée. Gentil, crocro, hein. C'est peut-être un peu banal. J'espère que c'est par là où je dois me diriger. Ouais, bah... Anna en crevé. Le fiston à sa maman. J'aurais jamais cru. C'est marqué. On va voir où il va. Il y a un autre signal. Ça marche. Ce paquet pèse au moins 10 kilos. L'Amérique aime la fête. Je dis juste que c'est pas des amateurs qui font ça. Doz nous enverrait pas ici si c'était le cas. Mettons que les cartels se servent encore de Miami pour faire passer la cam. Ça leur servirait à quoi? À mon avis, le Mexique est devenu trop dangereux. Le trafiquant de base risque toujours la prison, mais pas de se faire décapiter par le premier truand venu. L'Amérique aime la fête, en effet. C'est pas faux. Et au fait, c'est pas rien que Doz nous ait mis sur l'affaire. Tu t'en rends compte, j'espère? Non, je sais. Franchement, il est trop beau. Le problème, c'est qu'avec ce qu'on fait, on pourra rien présenter pour le juge. On s'en branle. C'est plus marrant comme ça. J'espère que c'est par là. Allez. Ah ouais, c'était là. Et au fait, le capitaine Doz... C'était une vraie terreur quand il était jeune. Ouais, c'est ce qui paraît. C'est quand même un peu risqué de bosser comme ça. Un petit conseil. Tu veux être le chouchou du capitaine? N'y va pas par quatre chemins. Alors c'est comme ça? Faut se la jouer à la cow-boy. Tu commences à piger. Ok, bon, c'est pas moi, non. Je n'ai pas fait cette erreur de calcul. Non. Je mettrai ma main à couper que c'est ma coéquipière en face. Ok, bon. Mise à quai de l'hydroglisseur. Ok, d'accord. Arrêtez-vous de prendre un quai. Ok. Il y a un signal près de ce parachute. Bon, je vais jusqu'au quai. Pas mal de crocos par ici. Y a pas à s'en faire. Ils ont plus la trouille de nous que l'inverse. Ah bon? Tu es sûr de chat? Regarde, il y a des... ouais, il disait, ouais, trop, ouais. T'as gentil. What? Gentil, crocro, hein, gentil, oui. Putain de merde.
D'accord. Ça va. T'as le droit de dire merci. Ok. Merci. On devrait peut-être rester sur la piste. Ouais. C'est pas faux. Plus la trouille de nous que l'inverse, hein. Ouais, en tout cas, sortons de l'eau. Il faut qu'on monte sur cette plateforme. Essaie avec ce grappin. Je l'ai emprunté au SWAT. Voilà, emprunté au SWAT. Ok, d'accord. Oui. T'as jamais utilisé un grappin de ta vie ? Non. Lance le grappin vers la plateforme. Ah, c'est bon. C'est un grappin. Et maintenant, on monte. Voilà. C'est les narcos qui ont construit ça ? Ce sont des vieilles plateformes d'observation pour les touristes. Ça va, Kai ? Comment va l'épaule ? Ça me fait un mal de chien. Tiens, j'ai aussi une tyrolienne. Cool. T'étais bien préparé. Vise tes planches, c'est un bon point d'accroche. Dans le mille. Suis-moi. Ok. Qu'est-ce que dit ton scanner ? Kai, on a de la compagnie. Ça doit être l'équipe de ramassage. Ouvre l'œil. C'est pas une perte totale. Il y en a encore une bonne moitié de nickel. Je sais pas, l'autre moitié est pleine de feuilles et de saloperies. Bah, Nels nous en voudra pas si on le débarrasse de ça. Hé, hey, c'est pas Jean de la maison. C'est qui, la maison ? Nous. On travaille tous pour Nels. Rémi s'occupe bien de ses hommes. Ouais, bon. Moi, je m'occupe de moi-même. Fais comme tu veux. C'est pas la différence entre un boulot et une carrière. Les mains en l'air! Bien en vue! Espèce de fils de pute! Ça, fils de pute! Ça mange. Tu fais un tour à Guantanamo. Arrête-toi tout de suite! Ouais, ouais, pas de problème. J'espère qu'il n'y a pas un croco qui va le bouffer. Ne bouge plus! C'est quoi ce bordel? Le bordel, c'est que tu vas t'arrêter. Au revoir. C'est dégagé. Allez hop, le bon petit coup de pied de biche. Coco. Ça pue un peu ici, hein.
J'ai trouvé une fréquence. 120.13. Ça donne quoi? Oh. Oh. Vise-moi tous ces jolis points lumineux, partout sur le lac. On a qu'à prendre un bateau pour aller voir. Télémétrie ou scanner à la partie supérieure. Ok. D'accord. Je vais demander des renforts. On n'est pas vraiment dans notre juridiction. Trouvons Nels d'abord. Il est plus ambitieux que je pensais. Comme tous les sacs à merde de gens. Tu sais ce qui me fout le plus la trouille dans cette guerre de la drogue? Le vainqueur aura du fric et des flingues à plus savoir qu'en faire. Ouais. Et une fois qu'ils auront fini de s'entretuer, ils s'en prendront à nous. C'est reparti comme dans les années 80. C'est pour ça que Doz veut y mettre un terme tout de suite, avant qu'on en arrive là. Alors si on doit sortir un peu des clous, même carrément, ça me dérange pas. Ça sauvera des vies. C'est pas faux. Alors pourquoi t'as pas l'air convaincu? Parce qu'il va se passer quoi au final? Pour en finir avec les gros poissons, les parrains, et pour que ce soit définitif, il va nous falloir bien plus que des armes à feu. J'en sais rien. Et toi? C'est un jeu dangereux, inspecteur. Tant mieux. C'est le jeu que je préfère. Non. Est-ce qu'il y a une caisse? Ouais. Il me faut le grappin. Et je crois que ça va pas être trop long. Je crois qu'il faut plus que le grappin. Merde. Shit. Cette mouche ou... Ok, un truc là à faire, donc on va faire ça, fis ça. Alors, merde, c'est le 3. Hop là. Ok, si c'est pour récupérer une arme. Ok. Ok, c'est soit le flingue, soit ça. Ok. On va prendre ça alors. Par où je sors? Voilà. on va essayer d'aller dans l'eau, hein. Et peut-être des crocros, hein. Bon, allons-y, hein. Allons partir de ce côté-là. Thank you.
Ça m'a l'air prometteur ça. Wow. Pas la bouée. Hein. Bon, mais on va voir ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose là. Avoir une vue d'ensemble depuis le château d'eau. Ok. Scanne les environs avant qu'on s'approche. On n'est pas tout seul. Scanne pour chercher les alarmes. Ok. T'as une clé, Allen ? Tu t'en sors avec truc ? L'alarme va rameuter du monde, sauf si tu la désactives. On peut y aller discrètement ou foncer dans le tas. C'est toi qui vois. J'aurais pu se faire... Qu'est-ce que t'en dis ? On avance. Discrètement. Dans l'œil jusqu'à l'épaule. Ok, il faut que je capture lui, ok, d'accord. Je vais même quand même le prendre quand même en pêche. Je vais attaquer, je crois. Les mains en l'air! Bien en vue! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un flic. Bouge plus! Tu restes où tu es! Ouais, ouais, pas de problème. Est arrêté. Police, stop, tout de suite. Ouais, ouais, pas de problème. Hop, à terre, dans la tête, dans la terre. Ok, je peux passer par là. Ouais. Quoi ce rollback là? Ok, d'accord. Je peux pas passer par là, ok. Police, stop! Tout de suite! On se calme, mon pote. Je suis pas ton pote. Mais non, t'es mon pote. Police, plus un geste! Ok, on se calme, d'accord? Mange l'arme, allez hop.
nous active ces machins. Comment on active les trucs là? Voilà. Les mains en l'air! T'es en état d'arrestation! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, une arrestation. De la cam, du fric ou des flingues. Il suffit de fouiller pour le savoir. Allons fouiller. Bon, c'est pas là. Y'a de la paperasse ici. Très roots leur matos. Au moins on est sûr que ça capte ici. Deux. Ce type avait rendez-vous dans un stade un peu plus tard. Le stade le plus proche se trouve à Miami. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit ça. Bon, il est temps de continuer. Et voilà. Je peux pas avoir une longue vitesse, non? Même pas? C'est pas gentil ça. Bah c'est level, level ou quoi? Oh shit. Alors ça c'est la console. Ok. Putain j'ai faim, les chips. Oh, ouais. Hop là, retournons machin. D'autres endroits à inspecter. Ok, on retourne au bateau. Ok, d'accord. On va éviter l'eau, hein. Mauvaise rencontre avec la croco tout à l'heure m'a fait penser que. Voilà. Ok. Ça se tient que les cartels reviennent dans les Everglades. C'est grand et bon, c'est pour l'instant, tout ce qu'il nous faut, c'est trouver Nels. Tu penses que Nels bosse avec les cartels? Non. Les cartels ont leur propre réseau. Là, c'est quelqu'un d'autre. Bon alors, tu sais quoi sur Nels? C'est un bourge qui a lâché l'école de cinéma. Il a commencé en cherchant à financer un film avec de l'argent sale. Laisse-moi deviner. Il a oublié de le réaliser. Ah non, il l'a fait. C'était de la merde. J'aime pas du tout ce bruit là. On va faire sa fille, hein.
choix de la cocaïne. Latch. Quelque chose ici. Il stocke quoi dans ces tonneaux? Quel tonneau? Ah, ça là. Pardon. Je peux y avoir un cadavre. Ça c'est fait. Et en avant Simon. Est-ce que j'ai combien? Ouais, peut-être les 4 je les trouverai à la base là-bas. Je veux quand même vérifier un peu sur les côtés là. Il y a un quai en face. On va s'arrêter pour fouiller. Où j'ai un quai? Un quai. Elle a dit qu'il y avait un quai là. Ouh. Déforestation localisée. Hey Kai, j'ai une question à te poser. Ouais, quoi? Entre toi et Tyson. Tu sais, ouais. Une fille, ça a parfois des rencarts. T'es sorti avec Tyson? Je l'ai rencontré en soirée. On est sorti une fois ensemble. Enfin, deux. Officiellement deux. Attends. T'es sorti avec un dealer de coke. Courtier en coke. Il s'est aperçu quand que t'étais flic? Quand je me suis aperçu qu'il était courtier en coke. Écoute, t'es pas forcé de me croire, mais c'est un mec bien. André qui dit de la coke? Ouais. Putain, je passe bruit. Ah, c'est chiant. C'est dégueulasse ce nom. Mmh. Ouh, j'ai chaud, machin. Ça mériterait un coup d'œil. Voilà. Non, on me dit pas qu'il faut que j'aille le marche jusqu'à. Quoi? Faut que je passe par où là pour rejoindre là-bas. Ah. Ah. Ouh. J'ai mangé un petit peu là. Non, pas ça. Non, pas ça. Voilà. Thank you.
Merde. Ok, d'accord. C'est toujours chiant, cette petite animation là, bon, c'est sympathique, mais bon. Chouette d'émir. Ah, je suis équipé. Recro, tu es où? Je peux me mettre une balle s'il continue. Hein. Bon, allez, je suis parti. Alors, c'est là-bas qu'il faut aller. Hop là, c'est parti.